Et donc, dernière rubrique, je disais, de cette émission, gros plan, portrait, en tout cas réalisé par Sidi Ahmed Bouraïb. Donc, qui est allé à la rencontre d'un jeune joueur. Messieurs, vous savez, on en a parlé la semaine dernière avec cette école de Villarreal, ce club espagnol, donc école basée au Canada, à Montréal, donc qui est là en Algérie depuis quelques jours et qui affronte des clubs, vous les avez vus à l'œuvre, face Mouloudia d'Alger notamment. Et dans cette équipe, dans cette école, en tout cas de Villarreal, se trouve pas mal de jeunes joueurs d'origine algérienne, et notamment un certain Sami Mardès, en tout cas jeune joueur, et qui rêve d'intégrer l'équipe algérienne à l'avenir, et pourquoi pas là aussi jouer en Algérie dans un des clubs algériens. Je le disais, Sidi Ahmed Bouraïb est allé à sa rencontre et nous parle de ce joueur et notamment de ses rêves. Suivez-le. Salam alaikum, mon nom c'est Sami Mekdas, j'ai 17 ans, je joue au Canada et on est en stage présentement en Algérie. Moi, j'ai commencé chez moi, dans la rue, à 8 ans. Et après, à 9 ans, j'ai commencé à jouer dans une ligue. Et après, j'ai monté les échelons avec le travail. Ouais, c'est une belle expérience. On a été très bien accueillis depuis le début. On a accès à tout, on manque de rien. On a le transport, la nourriture, le logement. Et on s'entraîne ici au stade Zeralda, très très beau stade. Et on est en train de se préparer pour les grosses équipes. Bah, c'est agréable, surtout c'est un très beau pays. On a une belle température aujourd'hui, même si c'est l'hiver. Nous, au Canada, il fait très froid, donc c'est agréable de jouer ici. Les infrastructures aussi, c'est un très très bon terrain. C'est très bien entouré aussi. Et au Canada, on travaille aussi avec des excellents coachs, l'Académie Villarreal de Montréal. On a ici le directeur technique Mohamed Lekrel qui nous dirige. On a aussi Lotfi Amrouch, très très bon coach. C'est lui notre coach qui nous a formés quand on était en préparation au Canada. Ambition pour le futur, je dirais d'avoir une place pour une sélection ici.